Bon, quand tu n'auras plus personne, tu viendras. Je suis né le 18 novembre 1926 à Olliergues. Je travaillais en hôtellerie à Vichy et mon mari, il avait monté un petit atelier de polissage. Alors donc, il m'a dit, maintenant que nous sommes mariés, tu finis ta saison, maintenant tu vas te mettre dans le métier de la coutellerie. Mais à l'époque, vous savez, on travaillait dans n'importe quoi. J'ai accepté avec joie. Il m'a dit, écoute, bon, on va se faire inscrire au registre du commerce, on va monter un commerce. Et au mois d'avril 1948, on s'est mis polisseur. Il y avait beaucoup, beaucoup de demandes de polissage de plats dans toutes les catégories. Que ça soit légumier, je ne peux pas vous dire, légumier, louche, tout ça. Et alors on s'est mis tous les deux à polir dans un petit atelier rue de la Grande Rouillère. On montait toute la nuit, moi et mon mari, tout le montage des couteaux qui à l'époque se montaient au plomb. Mais c'était un truc qui était dur, vous savez. C'était quelque chose qu'on faisait fondre mon mari dans un caquelon qui était dur quand il était froid et très chaud quand c'était pour mettre dans le marge. Alors, on remplissait, quand il était chaud, on le mettait dans un comme ça pour que, voilà, on travaillait, on polissait, on travaillait. Et alors donc, notre commerce commençait à monter. On partait faire les tournées. C'est ça. On partait tous les deux avec un camion plein de marchandises qu'on fabriquait et que certains fabricants nous donnaient pour un certain temps pour pouvoir vendre. Vous savez, on n'avait pas une belle vie parce que souvent, je vais vous dire, au début, on mangeait dans le camion, on se chauffait dans le... C'était dur. On faisait des fois 10 départements. On allait dans le nord, on allait où on pouvait aller, on allait du côté de Marseille, on allait du côté... Si, on allait où on pouvait, puisqu'on n'avait pas de clientèle. Mon mari, c'est comme ça qu'on est monté, qu'il a fait sa clientèle. Mais ça a été dur. Hein. On avait monté un petit peu et on avait pris des polisseurs à domicile. Qu'on apportait tant de plats, tant de couteaux, tant de... chez le monteur, oui. Alors moi, j'étais censée, je faisais le ramassage, oui. Avec la petite, toujours avec moi, puisqu'elle était, pas grande. Alors je sais qu'un jour, on avait acheté une voiture neuve, cette voiture neuve avait un pépin, on est tombé en rade quand je montais chercher des couteaux à la Croix-Saint-Martin, là-haut, chez des monteurs, la petite bonne gens qui pleurait, c'est un docteur de Chavolos qui m'a dépanné. Et ça, c'est des souvenirs qu'on a qui sont vraiment, vraiment durs, parce qu'on a tout fait pour pouvoir arriver. Tout fait. Et alors, on a resté comme ça. Et puis, quand on a monté un petit peu plus, qu'on avait beaucoup des commandes à faire, on a pris un représentant avec le camion. On lui garnissait. C'était moi qui m'occupais de la comptabilité à l'époque. Ils venaient tous les deux. On faisait tout le bilan et on faisait tout ce qu'il y avait à faire. On avait commencé à faire les poils professionnels. On avait commencé à faire beaucoup d'autres choses professionnelles. Et on recevait beaucoup de... Et on avait fait un dépôt derrière. Et moi, je me suis beaucoup, beaucoup impliqué dans ce commerce-là. Je lui faisais tout son ramassage de couteaux, l'essuyage. Il y avait le marquage. C'était moi qui m'occupais beaucoup de l'affaire avec lui. Parce que mon mari, on était monté à 17 ici. Avec tous les policiers à domicile, avec tous les menteurs à domicile. Parce qu'à ce moment-là, on travaillait beaucoup. Ça, c'était un économe, deux tranchants. Mais il existe le un tranchant. Alors ça, c'est la mallette de pâtissier. Ça, c'est l'éplucheur à légumes, 10 cm. Et ça, c'est un vide-pomme. Il y a une marise, c'est pour la pâte ça, une marise, c'est bien les pâtissiers ça. Là c'est un couteau à jambon avec alvéole. Ah, il y a ça, il y a la raclette à pâte. Alors, fusil, spatule. Et des spatules, ça doit être une 25. Ah oui, voyez, un filet de sole. Il en existe aussi de deux tailles. Oh, c'est celui-là que je voulais voir tout à l'heure. Voilà, c'est dans le Victor de Zolme, ça.
Alors regardez, tout, il faisait que tout de la, presque de la coutellerie de table, vous voyez, regardez. C'était tout de la coutellerie sensationnelle. C'est la différence des manches et des lames aussi. Avec des mitres, là, avec des viroles, là. Vous voyez, en haut et en bas. Alors là, ça commençait peut-être un petit peu les offices, là. Vous voyez, offices, là. Vous voyez, coutellerie, service à fruits. Ah, c'est fini. Et alors là, c'est tous les, nous, les couteaux qu'on a repris. Voilà. Nous, on avait repris ça. On avait acheté cette marque-là, les mouleurs pierre noire. Ici, la guillotine à pain, la feuille. Et puis là, c'était tout, voyez, le tire-bouchon, casse-noix, coupe-volaille, fourchette à viande, service à salade, fromagette, ouvre-lettre. On avait fait tous des articles en manche-pied de biche. Vous voyez, il y a tout là. Il y a tous les services à découper, les couteaux à pain, les fromagettes, les, vous savez, le tartineur, le casse-noix, le, vous voyez, le fusil, il y a tout ça. Voilà. Et voilà la dernière page. Ma fille est venue gérante de la société. Mon gendre est employé avec elle, ils ont... et puis ma fille est gérante. Alors maintenant, ils vont rester toute leur vie, eux. Mais ça a beaucoup changé depuis qu'on est plus ici. Ce n'est plus la même... Les temps ont changé.